salut tout le monde. Déjà, je voulais commencer par vous souhaiter une magnifique année 2020. Donc, que tous vos projets se concrétisent et que tous vos vœux se réalisent. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo revue plante et je vous présente ma Diefenbachia, cette magnifique plante ornementale que l'on trouve facilement en jardinerie, mais qui est très toxique. C'est un grand classique parmi les plantes vertes, qui est magnifique, regardez-moi ce panaché. Il en existe pas mal de variétés différentes, des plus ou moins foncées, des plus ou moins blanches, des plus ou moins jaunes. C'est vraiment une plante très 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 belle. Alors c'est une plante robuste, facile, qui ne pose aucun problème de culture. Et là je vous présente la mienne, la Diefenbachia Camilla, il me semble. Donc la Diefenbachia fait partie de la famille des Aracées. Il pousse à l'état naturel dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et des Antilles où il peut atteindre 1,40 m de hauteur. Donc attention, c'est une plante très toxique, surtout au niveau de sa sève, qui peut provoquer des éruptions cutanées, des problèmes aux yeux. Mais le plus important en fait, c'est si on avale la sève, elle peut léser les muqueuses, provoquer une ulcération des lèvres. C'est une plante plus connue sous le nom de canne des muets parce qu'elle peut provoquer une paralysie des pharynx et de la langue. Alors quand vous la manipulez, portez des gants et ne la mettez pas à la portée des enfants et des animaux. Ce sont des plantes au feuillage tacheté ou panaché et les sujets adultes cultivés dans des conditions idéales peuvent faire des inflorescences. Donc c'est une fleur sans grand intérêt qui ressemble à celle des arômes. Donc si vous l'avez, vous pouvez la couper pour pas épuiser la plante. En ce qui concerne l'exposition, c'est une plante qui a besoin d'une lumière vive. Donc, placez-la au plus près de votre fenêtre. Et l'hiver, vous pouvez la mettre carrément au soleil. Ça lui fera que du bien. Et c'est une plante qui ne tolère pas les basses températures. Donc, elle ne supportera pas les températures en dessous de 15 degrés. Et idéalement, elle se plaira dans un appartement dans les alentours de 20 degrés. Alors pour l'arrosage, on va arroser régulièrement. On va attendre que le substrat sèche en surface durant la période de croissance. Et pendant l'hiver, on va attendre un petit peu plus et on va attendre que le substrat sèche en totalité. De ses origines tropicales, c'est une plante qui a besoin d'un taux d'humidité élevé. Donc pour augmenter ce taux d'hygrométrie, placez soit la plante dans un cache-pot avec des billes d'argile humides, soit sur une soucoupe avec des billes d'argile humides. Vous pouvez aussi venir la vaporiser de temps en temps, ça lui fera que grand bien. Et ça évitera que les pointes sèchent et deviennent toutes marron. Ce qui n'est pas très très fréquent non plus, il faut vraiment que ça soit super sec. Moi la mienne ça va, je la vaporise de temps en temps, même temps que toutes mes autres plantes. Mais un peu plus de loin par rapport aux autres, je sais qu'elle n'en souffre pas trop. En ce qui concerne le contenant, l'essentiel c'est qu'il soit percé. Après vous pouvez utiliser n'importe quel contenant. Mais vous savez bien que les pots en terre cuite seront beaucoup plus bénéfiques à une plante qu'un pot en plastique. Ensuite on va l'installer dans un mélange bien fertile composé de terreau, de compost et de cornes broyées si vous avez. Durant sa période de croissance, vous pouvez lui donner un engrais liquide tous les 15 jours ou un engrais organique, là ça sera en fonction des indications. Par contre l'hiver, on stoppe tout. Alors pour la taille, cette plante ne nécessite pas de taille particulière, par contre les feuilles du bas vont avoir tendance à sécher, donc il suffit simplement de les enlever pour donner un aspect plus joli à la plante et pour favoriser la pousse de nouvelles feuilles. En ce qui concerne le rempotage, donc on va venir le rempoter tous les 2 ans dans un pot légèrement plus grand jusqu'à ce que la plante soit logée dans un pot de 40 cm et à ce moment-là, un surfaçage annuel sera suffisant. En ce qui concerne les parasites, donc la plante peut être attaquée par des araignées rouges, mais ça reste quand même assez rare. Donc d'après ce que j'ai compris, cette plante en fait dans son ADN a une bactérie, surtout dans les cultivars qui sont faits chez nous, qui est dans son ADN et du coup qui la tuerait progressivement. Donc dès que vous voyez apparaître des taches brunes sur les feuilles et les tiges, je crois que c'est la fin et que vous pourrez rien y faire. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.